Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le plan d'action hebdomadaire. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. On a vu que la semaine a été compliquée, on a eu un trou d'air sur les marchés, il fallait s'y attendre. La semaine dernière, j'étais pas emballé, mais je vous ai donné quand même quelques plans, dont la majorité ont échoué et un seul qui est, disons, positif. Voilà, je le sentais un petit peu, mais c'est pas grave, il faut tenter. Quand on a des scénarios, il faut les tenter, et puis voilà. Avant de commencer, laissez un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. On essaye d'aller chercher peut-être les 40-50 likes. Ça me ferait plaisir. Et puis après, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Je lis tous les commentaires et j'y réponds. Allez, c'est parti. Alors voilà l'Excel qu'on a pour habitude de mettre désormais pour suivre les positions. Donc Katana a été proposé la semaine dernière en scénario mensuel qui a été déclenché. Pour l'instant c'est une perte en cours, mais on est encore loin du stop loss. Eutelsat, je vous le disais, c'était du contre-tendance hyper risqué avec une très très petite position, mais comme je vous en ai parlé, eh ben, je l'affiche également sur l'Excel. Il n'y a pas de triche, on affiche tout ce qu'on dit. Donc Eutelsat, ça s'est terminé en perte. Alors moi je ne l'ai pas pris, mais voilà, je vous l'ai donné, donc je le mets sur l'Excel. Et ça a fini en perte. INGA, vous allez le voir, ça a déclenché. On a eu le trou d'air sur la semaine, ça a cherché le stop loss et puis c'est reparti. C'est le risque quand on a des stop loss courts, on se fait sortir des positions dès qu'il y a un petit peu de volatilité, un petit peu de... Voilà, notre stratégie, hein, c'est de ne pas avoir de volatilité. Donc quand le marché propose un trou d'air, de la volatilité soudaine, et ben ça nous stoppe, ce qui est logique. Et puis on a Galp Energia qui, elle, par contre, propose une petite performance assez sympa. Donc elle nous sauve la semaine. J'ai été très très peu actif sur le marché, j'ai pas fait grand chose, si ce n'est surveiller les positions que j'avais en portefeuille, certains que j'ai encaissés, parce que quand ça commence à corriger, faut savoir encaisser, dont Accor, que je pensais renforcer, mais que finalement, j'ai pas renforcé, puisqu'on n'a pas eu un déclenchement, et on s'est affaissé sur une première bougie, donc j'ai tout coupé, et puis j'ai bien fait, puisqu'on va le voir, le marché a continué de dégringoler. Donc voilà, fallait s'y attendre, on a eu une série extraordinaire, et puis on commence à avoir un marché qui corrige un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité, puisque on va voir, il y a 2-3 opportunités assez sympathiques pour la semaine prochaine, et je vais vous les donner juste après. On va faire le bilan sur les graphiques, c'est parti. Alors, je vous disais la semaine dernière, on va commencer par... Eiffage qui n'a pas été déclenché, c'était un joli scénario pour lequel j'avais un intérêt assez, assez fort, donc j'attendais un achat en cas sur des 95-90, et puis on s'est affaissé, donc la faible volatilité a fait son boulot, mais dans l'autre sens, donc c'est pas grave. Voilà, Galp, c'est celle qui se déroule le mieux cette semaine. On a un déclenchement un petit peu au-dessus de notre niveau d'entrée théorique, puisqu'on a eu un gap. Ça fait deux fois le risque, et puis allez, une fois et demi le risque, puisqu'on a le gap qui nous grignote un petit peu de potentiel. On fait un pullback, alors certains sont peut-être sortis flat, et ça continue de monter. Donc je vous invite à sécuriser cette position, et puis de la tenir éventuellement si ça casse les 12,50. Voilà, on devrait peut-être avoir un petit moment sympa. INGA, c'est dommage, puisqu'on a eu un déclenchement sur cette bougie ici le 1er août, stoppé avec un gap sur le trou d'air de la semaine, ça va de soi, on a eu une correction assez forte, et puis ça repart, on serait au-dessus de notre point d'entrée. J'ai l'impression qu'on s'extirpe de cette grosse latéralisation, c'est dommage, parce qu'il y a des gros volumes qui viennent de rentrer, on va sûrement aller chercher au moins les 14 euros, si ce n'est plus. Tant pis, c'est le jeu, quand on a un stop loss court, on se fait sortir quand il y a un petit peu de volatilité. J'ai du SO qui se passe plutôt bien. J'ai du KBC encore que je vous avais donné qui tient bien. J'ai du Fougro, voilà. Du Valourec qui se reprend bien, donc je la tiens. Voilà, j'ai plus grand chose en portefeuille. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que surveiller? Katana à 7,33. J'en ai pas pris, mais je vous l'ai donné. Donc, on comptabilise tous les trades que j'annonce. Évidemment, ça va de soi. On va pas faire, disons qu'on va comptabiliser tout ce qui est donné. On va pas faire le rat
en disant mais non, comme je suis pas rentré, ça compte pas. Non, c'est donné, on le note. Voilà, donc pas grand chose à dire sur la semaine, une semaine plutôt corrective avec quelques plans qui se tiennent. J'ai trois plans à vous donner qui me plaisent extrêmement bien. J'ai... Alors on va commencer par le moins joli. Enfin, le moins joli. J'ai celui-ci qui me plaît, voilà. AE Divicia, donc c'est une société européenne. On a une tendance qui est baissière en mensuel, qui est baissière, voire neutre en hebdo, mais on a ce V-bottom, voilà, qui me fait penser à une reprise des acheteurs. On voit qu'on a des gros volumes baissiers, l'OBV fait des pastilles rouges, gros volumes anormaux, donc ça avance, ça avance, ça avance, et d'un coup, boum, ça revient fort au niveau des acheteurs, donc les acheteurs ont la main, et on est sur la première latéralisation avec une faible volatilité, il n'y a plus d'offres, c'est risqué, mais si ça marche, on peut avoir un très gros risk-reward, et c'est le premier point d'entrée d'une potentielle tendance. Donc, je surveille, et quoi qu'il arrive, quand on a un stop-loss qui est court, on maîtrise notre risque, et on peut tenter voilà, tous les scénarios possibles et inimaginables. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est tenter ce genre de scénario risqué et ne pas mettre de stop, parce que derrière, on peut se retrouver vite sur les 50 euros, ce qui vous ferait une perte assez conséquente. Donc voilà, c'est le premier scénario que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Un achat à 62,95, un dépassement des 62,95 avec un stop loss à 60,95. Voilà pour le premier scénario. Deuxième scénario intéressant, c'est Soitec. Dans une belle dynamique haussière, on voit qu'on a, on est sorti de ce gros range depuis un an et demi, on fait une grosse impulsion mensuelle hebdo et qu'on se pose donc une petite semaine ici. Voilà, donc c'est une possibilité de rentrer dans cette dynamique haussière pour aller viser les 200 euros, achat à 180,70, stop loss à 173,35. Et celle que j'aime bien, c'est Publicis, c'est ma préférée, voilà. On est sur une grosse latéralisation mensuelle hebdo, vous voyez, hein, cette théorie de dos, on est en train d'absorber tranquillement l'offre vendeuse, qui est où l'offre vendeuse? Un petit peu de pédagogie, l'offre vendeuse est située ici, sur cette zone des 75-74 euros. Pourquoi? Pourquoi il y a une offre vendeuse ici? Une offre vendeuse, c'est quoi? C'est une précédente résistance, où il y a des gens qui se sont positionnés à l'achat ici, et qui ont été directement piégés, et qui n'ont pas de stop loss, c'est des gens en général amateurs, qui n'ont pas... envie de sortir de position, qui n'ont pas de règles et donc pas de stop loss, et donc ils ont été en difficulté pendant toute cette descente, hein, la personne qui est rentrée dans cette zone là perd au maximum 11%, ce qui est quand même assez énorme, de laisser une marge aussi importante que 11% sur un actif. Voilà, donc la personne est en difficulté, dès que les acheteurs reviennent, il y a de la demande qui revient, donc des acheteurs commencent à absorber cette offre vendeuse. Et on arrive, c'est cette zone d'offres, hein, des 74-75 euros. Et ceux qui étaient en difficulté, qui étaient rentrés ici, qui étaient vraiment en difficulté, qui transpiraient, qui étaient mal, eux ne cherchent pas à garder la titre en portefeuille. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'à l'approche de cette résistance et de leur point d'entrée, ils vont solder leur position, ce qui va créer à nouveau de l'offre vendeuse et ce grosse dynamique baissière. Mais ça ne décourage pas les acheteurs. Plus que ça, puisqu'on a les acheteurs qui reviennent et qui viennent au fur et à mesure épuiser cette offre. Pourquoi je vois que ça épuise cette offre? Et bien parce qu'on a des creux de plus en plus haut et que la correction vendeuse est de plus en plus petite. Ok, là on a une correction qui est petite, là on vient chercher de l'offre vendeuse sur les derniers plus hauts, ça corrige fortement, mais on y retourne. Et si on y retourne, c'est que les acheteurs ils ont faim. Voilà, c'est qu'il y a de la demande. Et c'est que finalement, petit à petit, on grignote cette offre vendeuse. Et on voit qu'on se pose une semaine à faible volatilité sous cette zone de résistance. Il n'y a plus d'offres. Voilà. On a absorbé tous les vendeurs, on a absorbé tous les gens qui étaient positionnés en catastrophe et qui ont voulu sortir précipitamment. Et donc, naturellement, qui dit plus d'offres pour toujours autant de demandes, et bien on sera obligé d'aller chercher de l'offre beaucoup plus haut. Ce qui fait qu'on va devoir aller chercher de l'offre à 76, 77, 78, 79, 80. Ce qui va provoquer une explosion de la dynamique haussière, une explosion du prix. Pensez que le graphique, ce n'est que de l'offre et de la demande. Okay, donc, lâchez un peu vos indicateurs, lâchez tout le reste. C'est le prix qui prime et c'est cette relation entre l'offre et la demande qu'il faut comprendre. Donc là, on a épuisé au fur et à mesure cette offre sur les 74-75 euros et il n'y en a plus. Voilà, il n'y a plus d'offres sur le marché et on devrait accélérer et provoquer une belle dynamique haussière. Donc je vous propose un achat
à 74,22 et un stop loss à 72,08. C'est mon plan préféré de la semaine. Voilà, je vous donne seulement trois plans qui me plaisent, il n'y a pas grand chose d'autre sur le marché. Et puis voilà. Quoi dire de plus? Eh ben, le marché américain a bien reversé hier. On était parti sur une belle bougie haussière et puis ça a vraiment corrigé fortement avec des volumes anormaux. Donc attention, prudence sur le marché. C'est pour ça que je vous donne pas 36 000 plans. Ça peut être dangereux. Et je pense qu'on va ouvrir d'ailleurs avec un gap baissier sur le marché européen, étant donné la clôture américaine hier soir. Voilà, donc trois plans. Je vous les répète, AED, Soitec et Publicis. Publicis étant le plus joli. Voilà. J'espère que c'est bon pour vous. Un petit like, un petit commentaire et on se dit à la semaine prochaine. Salut, ciao, ciao.